Jésus a souffert de nous aimer. Il en a souffert pour s'assurer que nous nous souviendrons de son grand amour. Il s'est fait pain de vie pour satisfaire notre faim de son amour, notre faim de Dieu. Parce que nous avons été créés pour cet amour. Nous avons été créés à son image. Nous avons été créés pour aimer et être aimés. Et il s'est fait homme afin qu'il nous devienne possible d'aimer comme lui nous a aimés. Il se fait l'affamé, le nu, le sans logis, le malade, le prisonnier, l'isolé, l'indésirable. Et il dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus a faim de notre amour, et cette faim est celle de nos pauvres. C'est la faim que vous et moi devons découvrir. Elle est peut-être dans notre propre maison.